Nous pouvons vivre prochainement des moments agités, et il faudra la maturité des dirigeants pour parvenir à une transition ordonnée, harmonieuse, une transition équilibrée, comme dans d'autres pays. Au Parti socialiste du Venezuela, il n'y a pas de dirigeant de la taille de Chavez. Ils le savent parfaitement. Et ils vont essayer de rester dans la durée. Ils vont essayer de faire durer le projet dans le temps en exaltant la figure de Chavez. C'est-à-dire, ils vont associer la figure du président au projet politique. Face à l'absence physique du président Chavez, il faut d'une façon ou d'une autre maintenir en vie dans la mémoire de la société vénézuélienne cette présence du président Chavez. Depuis 14 ans, une sorte de religion politique est en construction, dont le prophète suprême est justement le président Chavez. C'est comme tous les credos religieux. Avant nous, il n'y avait rien. Tout était obscurité. Ensuite, il y a eu un processus de construction et le monde a commencé.